Un petit peu? Non, merci. Comme tu voudras. Une petite goutte d'alcool? Je te jure. J'aimerais tellement faire quelque chose pour toi. On pourrait croire que tu essaies de te donner bonne conscience. Moi? Mais pourquoi? J'aimerais seulement savoir ce que tu entends par mercredi après-midi de congé. Tu attends de la visite? Ça me plairait bien. Ça apporterait un peu de changement à mon train-train quotidien. On n'ouvre pas la porte. C'est notre journée à nous. On n'a que le mercredi, après tout. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Et dis-moi tout de suite combien ça va me coûter. On dirait bien que c'est urgent. Non, tu n'es pas là. Si c'était une urgence à la clinique, il t'aurait téléphoné. Nous en reparlerons plus tard. Tu sais, je ne t'ai pas épousée pour que tu me couvres sans cesse de bijoux. Ah bon, c'est vrai? Quelqu'un d'autre dans la maison? Non. On a besoin de l'aide d'un médecin. Alors vous allez nous suivre, tout de suite. Où est le blessé? Dehors, dans la voiture. Tu vas nous conduire à ton cabinet. Pendant ce temps, mon collègue restera avec ta femme, pour qu'elle soit bien sage. On va à la clinique? Non, on ne va pas à la clinique. T'as bien un cabinet privé. Il y a d'autres téléphones dans la maison? Oui, il y a un poste dans ma chambre. Bien. Je m'occupe du téléphone. Allez, allez! Tiens, prends le portable. Je t'appelle dès que tout est fini. Et arrange-toi pour qu'elle ne fasse pas de bêtises. Faut surtout pas donner l'alarme trop tôt. Très bien. Je m'en occupe. Attendez. Viens par ici avec ton couteau. Il y a encore un téléphone. Encore une plaisanterie de ce genre et c'en est fini pour vous. C'est compris? Bon, maintenant, docteur, on va au cabinet. Où sont les clés de ta voiture? Vous avez déjà votre véhicule? Oui, oui, c'est ça, on va se balader avec jusqu'à ce que les flics nous repèrent. Non, maintenant, on va prendre la tienne. Notre voiture va rester ici. Allez, ouvre cette porte. C'est une trousse de secours à l'intérieur? Oui. Il faut aussi une couverture. Notre copain saigne comme un porc. Et surtout, pas de bêtises. Oh! Remonte la glace. Je peux savoir comment vous comptez rentrer dans mon cabinet sans vous faire remarquer? Il y a sûrement un parking pour les patients. Il y a bien quelques places dans la cour. Et une entrée par derrière également. Vous connaissez bien les lieux, hein? L'un d'entre vous est un de mes patients. Tais-toi et roule plus vite. Mais supposons, je dis bien supposons que quelqu'un vous voit. Vous pensez pas que ça serait mieux de retirer tout de suite vos cagoules? Écoute, docteur, que ce soit bien clair pour toi. Si tu vois le visage de l'un d'entre nous, ce sera la dernière chose que tu verras. Alors maintenant, tais-toi et roule.
Un coup direct au cœur, Léo. Il n'a sûrement pas eu le temps de souffrir. Si tu veux mon avis, je pense que quelqu'un l'a supprimé pour l'empêcher de parler. Il n'y a pas de trace de bagarre. Il semblerait qu'il connaissait bien son agresseur. Et qui a téléphoné pour avertir la police? Moi. Nous. Pouvez-vous me dire qui vous êtes? Je m'appelle Hélène Jonas. Cet homme est mon ex-mari. Nous avons un cabinet médical groupé. Je suis installée de l'autre côté. J'ai appelé la police depuis ma salle de consultation. Ici, le téléphone était coupé. Quelqu'un a sectionné le fil. L'assassin voulait s'assurer de ne pas être dérangé. Et pourquoi n'a-t-il pas coupé le vôtre? Ben, je veux dire, votre téléphone fonctionne. Oui. Pourquoi? Eh bien, je suppose que la porte devait être fermée. Oui, la porte était fermée. J'imagine que cette jeune femme est votre fille. Oui, ma fille, Claudia. Bien, merci. Oh, mon Dieu. Je n'arrive pas à le croire. Pourquoi papa est-il mort? Pourtant, il n'avait rien fait à personne. Alors, pourquoi? Quelles étaient vos relations avec votre père, mademoiselle? Bonnes? Oui. Non. En réalité, c'était difficile. Ces derniers temps, les relations entre Claudia et son père étaient un peu tendues. Depuis qu'ils s'étaient remariés. L'autre femme est-elle la cause de la séparation? Quel rapport avec cette affaire? Nous ne le savons pas encore, madame. Où vivez-vous? Chez votre père ou chez votre mère? En réalité, je ne vis nulle part. Elle était là-bas et elle est revenue. De temps en temps, j'allais chez des amis lorsque je ne supportais plus la nouvelle femme de mon père. Vous voulez dire votre belle-mère? Au fait, justement, est-ce que l'une d'entre vous l'a informé de ce qui était arrivé au docteur Jonas? Non. Désolée, ma chérie, mais nous devons le faire. Vous préférez peut-être que je la prévienne moi-même, n'est-ce pas? Lorsque j'ai découvert le corps, j'avoue que je n'ai pas eu l'idée de lui téléphoner. Étonnant, personne ne répond. Y'a quelqu'un? Oh, oh! Y'a quelqu'un? Répondez! Si vous êtes là, ouvrez cette porte! Y'a quelqu'un? Je suis enfermée, venez m'ouvrir! Dépêchez-vous, je veux sortir d'ici! Voilà, voilà, on arrive! Vous auriez pu ouvrir cette porte toute seule, madame. J'ai essayé de l'ouvrir. Vérifiez par vous-même. Je vois que cet homme a tenu parole. Je veux parler de celui qui m'a enfermée ici. Il avait promis de vous avertir dès que mon mari aurait soigné son camarade. Savez-vous qui est l'homme qui vous a enfermée? Bon, non, il s'est pas présenté, voyons. Je suis passée au cabinet dans l'après-midi. Il était quelle heure exactement? Je ne sais pas l'heure exacte. Il faisait déjà sombre et j'ai vu que la lumière était allumée dans le cabinet de mon père. Ça m'a étonnée parce que le mercredi, c'est son jour de congé. Et ensuite, vous avez décidé de venir le voir. En fait, je n'avais pas envie de le voir. Il y a quelques jours, nous nous sommes disputés à cause de sa femme et depuis, nous étions très fâchés. Alors je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de discuter un peu en tête à tête. J'ai sonné à sa porte et j'ai frappé, mais je n'entendais aucun bruit. Il était pourtant là, j'avais vu sa voiture dans la cour. Alors je suis allée immédiatement à l'appartement de ma mère. Il s'est passé une éternité avant qu'elle m'ouvre. Oui, qu'est-ce que c'est? Maman, s'il te plaît, ouvre-moi! Ça ne va pas? Qu'est-ce que tu as? J'ai une migraine. J'ai pris des médicaments et je me suis allongée. Il faut que tu viennes au cabinet avec tes clés. Il y a quelque chose de bizarre. Qu'est-ce que tu veux dire? La lumière est allumée, mais il ne répond pas. Et sa voiture est garée dans la cour. Tu veux que je sorte dans cet état? Je peux prendre le volant, si tu veux. Allez, viens. Sans ma migraine, Claudia ne m'aurait pas trouvée à la maison. J'avais un rendez-vous et je devais partir assez tôt. Un ami devait passer me prendre. «
Vers 19h, j'ai téléphoné à l'ami en question. Pour lui dire que je devais rester au lit. Pouvez-vous nous donner le nom et l'adresse de cette personne? Pour quelle raison? Vous me soupçonnez de quelque chose? Non, non, rassurez-vous, c'est une question de routine. Donne-leur le nom et l'adresse. C'est Philippe Kueten, Armgarnstrasse. Au numéro 8. Je suppose que vous avez les clés de toutes les pièces de ce cabinet, Madame Jonas. Oui, naturellement. Et bien entendu, c'est avec ces clés que vous êtes entrée dans le cabinet de votre mari. Oui. Oh, calme-toi. Oh, mon trésor. Je voulais vous appeler depuis le poste de mon mari. Mais le fil était coupé. Je suis redescendue. Et je vous ai appelé depuis mon bureau. C'est bon, j'ai terminé. Bonne nuit. Bonne nuit. À l'instant, docteur, tu ne m'as pas dit à quel moment remontait la mort de M. Jonas. Pour autant que je puisse en juger au premier coup d'œil, il est mort il y a environ 2 ou 3 heures, mais c'est encore vague. Ce serait donc entre 18 et 19 heures? Oui, c'est à peu près ça. Bon, je vais vous laisser. Bonne nuit. Bonne nuit. Ça n'est pas mon mari que vous avez sorti, là. Pardon? Ça n'est pas le docteur Jonas. Où est mon mari? Madame Jonas? S'il vous plaît, Madame Jonas, je vais vous demander de rester calme. Je sais que c'est facile à dire, seulement... Ces gangsters l'ont tué, n'est-ce pas? Non! Ces types sont des porcs! Madame Jonas, s'il vous plaît, calmez-vous, ça ne sert à rien de vous énerver comme ça. Allons, suivez-moi. Du calme, venez, calmez-vous. Alors c'était toi. Il ne voulait pas le tuer. Il le lui avait dit. C'est toi qui l'as tué, parce qu'il voulait te déshériter. C'est vous deux qui m'avez pris mon mari. Madame Jonas, ça ne sert à rien de vous énerver de cette façon. Allons, venez, vous avez dit vous-même en arrivant que ces hommes avaient tué votre mari. Venez, calmez-vous et venez vous asseoir. Là. Buvez ce verre d'eau. Nous avons été attaqués chez nous cet après-midi. Les hommes étaient masqués et armés. Deux sont entrés dans la maison. Le troisième était blessé. Il était resté dans la voiture. Ces hommes ont forcé mon mari à les aider. C'est pour ça qu'il est venu au cabinet. Le troisième homme est resté à la maison et m'a menacé d'une arme. Trois hommes masqués, dont un blessé, ce sont peut-être les auteurs du cambriolage de la banque d'est après-midi. Demande au commissariat si les responsables ont été arrêtés. Puis, au bout d'une heure, mon gardien a été appelé sur son portable. Il devait venir chercher les autres. Alors, il m'a enfermé dans la salle de bain et il est parti. Vous ne pouviez pas ouvrir la fenêtre pour appeler au secours? Notre salle de bain n'a pas de fenêtre. J'ai crié, mais on ne pouvait pas m'entendre. L'homme devait prévenir les pompiers au bout d'une heure pour qu'il me libère. Et les pompiers sont venus? Il y a quelque chose d'étonnant. Comment ces cambrioleurs connaissaient-ils votre adresse privée? Écoutez, je n'en sais rien. Je ne me l'explique pas non plus. Vous n'avez aucun soupçon sur des personnes de votre entourage? Si. Demandez-lui ce qu'elle faisait le soir pendant que papa était de garde. Ton père savait que je sortais. Elle a peut-être ramené un inconnu à la maison qui s'est empressé de donner l'adresse. Tu aurais pu dire à ton père que tu m'avais vue en discothèque. Ça t'aurait permis de rassembler des preuves contre moi. Je n'utilise pas ces méthodes. C'est ridicule. Comme si j'allais ramener n'importe qui à la maison. Léo? Oui? Les collègues du commissariat ont perdu la trace des voleurs. Bonsoir. Klaus. Papa, papa est mort. Quelqu'un l'a assassiné ce soir. Quoi? Qu'est-ce que... Non, je n'arrive pas à le croire. C'est pourtant la vérité. Kreis, police criminelle, puis-je savoir quelles étaient vos relations avec la victime? Je suis Klaus Bergheim. Je suis médecin-chef à la clinique du docteur Jonas. Rien ne fait plus obstacle à votre promotion de directeur à présent, cher docteur. C'est une honte de parler de cette façon, cette femme... Claudia, j'aimerais savoir ce qui s'est passé. Tu m'as téléphoné en me disant de venir au cabinet de ton père le plus vite possible. Je ne savais pas encore ce qui s'était passé lorsque je t'ai appelé tout à l'heure de chez maman. Je sentais seulement qu'il était arrivé quelque chose à papa. Bien, merci. Vous pouvez tous rentrer chez vous à présent. Mais tenez-vous à notre disposition pour d'éventuelles questions. Laissez-nous vos coordonnées. Claudia,
Et vous, monsieur, présentez-vous au commissariat demain matin à 9h, bureau 186. Bonjour. Bonjour. Alors, tiens, Gert, tu vas aller voir ce Kneten. Attends, c'est pas ça. Il s'appelle monsieur Kneten. Kneten. Mais appelle-le avant pour prendre rendez-vous. Entendu. Henri, toi, tu vas à la caserne des pompiers. Et tu te feras remettre la bande avec l'appel de ce cambrioleur qu'on puisse étudier un petit peu sa voix. Demande à Werner de t'accompagner. Après avoir pris la déposition de mademoiselle Jolin, j'irai faire un petit tour à la clinique pour voir ce docteur Bergheim. Oui. Bonjour, messieurs. Bonjour, mademoiselle Jolas. Excusez-moi pour la soirée d'hier, mais j'étais un peu tendue après un tel choc. Oh, c'était plein d'enseignements. En tout cas, une chose est claire, on ne peut pas dire qu'entre vous et la seconde femme de votre père, ce soit le grand amour. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Nous nous demandons quel peut être le lien entre votre père et les cambrioleurs qui l'ont obligé hier à les conduire à son cabinet. Hier soir, vous nous avez laissé entendre que votre belle-mère sortait parfois le soir sans votre père. Cela voudrait dire que vous vous êtes déjà retrouvés dans la même discothèque qu'elle, n'est-ce pas? Oui, une fois en effet, elle avait l'air très gaie et elle dansait avec l'un des musiciens de la boîte. Ah bon? Et ce musicien, vous le connaissez? Le connaître, c'est beaucoup dire. Je l'ai rencontré une fois dans une fête à l'université. Il jouait là, mais... nous n'avons échangé à peine que trois mots, salut, comment ça va, rien de plus. Rien de personnel, si c'est ce que vous voulez savoir. Cela vous dérangerait de m'accompagner dans cet établissement dans la soirée, mademoiselle Jonas? J'aimerais pouvoir rencontrer ce musicien. Le docteur Bergheim est très peu disponible en ce moment, toutefois, si vous n'abusez pas de son temps... Je serai très bref. Je veux seulement lui demander qu'il me parle un peu de la famille du docteur Jonas, qu'il me donne ses impressions. Je crois qu'il les connaît bien. En fait, il les connaît très peu, vous savez. Il connaît un peu plus la fille, mais ce n'est pas à moi de vous parler de tout ça. En tout cas, une chose est sûre, il n'a jamais eu de contact privé avec le docteur Jonas. Alors, si je vous comprends bien, ça voudrait dire que votre chef de clinique n'était pas trop aimé. Il n'était pas trop aimé? On n'a pas le droit de dire du mal des morts, n'est-ce pas? En contrepartie, le docteur Bergheim est quelqu'un de très agréable à vivre. Si vous voulez bien venir par ici. En tout cas, maintenant, Bergheim a de belles perspectives d'avenir. En tant que successeur? J'espère que vous ne le soupçonnez pas d'avoir tué le docteur Jonas, n'est-ce pas? Non, je ne ferai jamais une chose pareille. Ce serait complètement ridicule, en effet, monsieur Kress. Vous aussi, un jour ou l'autre, vous serez peut-être amené à remplacer votre supérieur. Si vous en arriviez à me soupçonner, alors il faudrait soupçonner tous les chefs de service de cette clinique. Je vous en prie. Merci. Je vous en prie. Je ne voudrais pas être impoli avec vous, mais pouvez-vous faire vite, s'il vous plaît? Je ferai très vite. Êtes-vous amoureux de Claudia Jonas? Oui, en effet. Seulement, j'espère que vous n'allez pas imaginer que je suis sorti avec elle uniquement pour convoiter la place de son père. Et autre chose, elle ne m'a pas non plus donné les clés du cabinet, si c'est ce que vous pensez, commissaire. Pour quelqu'un de pressé, je trouve vos réponses plutôt longues. Quelles sont vos relations exactes avec la nouvelle Madame Jonas? Mauvaise. Ai-je été assez court? J'ai tout lieu de croire qu'elle a fait tout ce qui était en son pouvoir pour monter le docteur Jonas contre sa fille. Oui, naturellement, le fait que Claudia et moi, nous voulions nous marier ne lui plaisait pas. Alors, il lui a laissé le choix entre me quitter immédiatement ou se retrouver déshérité. Claudia ne savait plus quoi faire. Je vois que le docteur Jonas ne vous portait pas dans son cœur. Pour quelle raison? Eh bien, il ne voulait surtout pas mélanger son travail et sa vie privée. Claudia a-t-elle beaucoup souffert du désaccord qu'il y avait entre vous et son père? Je pense que oui. Claudia a toujours été très liée à son père. Et quelle a été la réaction d'Hélène Jonas par rapport à sa séparation d'avec son mari? En souffrait-elle beaucoup? Ces derniers temps, je n'avais plus qu'un léger contact avec toute la famille. Mais je ne pense pas qu'elle ait tenté quoi que ce soit pour reprendre sa place auprès de lui. Elle a un esprit beaucoup trop logique et elle est extrêmement fière. Elle a également renoncé à l'argent, si c'est ce que vous pensez. Docteur Bergheim? Oui, oui, j'arrive dans quelques minutes. Une dernière question. Que diriez-vous de la nouvelle Madame Jonas? Eh bien, disons que ça n'était pas toujours facile avec son mari. En effet, tout devait toujours tourner autour de lui. Elle avait sûrement imaginé autrement le beau conte de fées. Certainement pas comme une vie ennuyeuse auprès d'un égocentrique. Venez, docteur Lassette. Bien, je dois vous abandonner, monsieur Kress. Je vous en prie, je vous remercie. Bonne journée. Oui, au revoir. Vous voyez, chez nous, c'est toujours la course contre la montre. Madame Kneten, bonjour. Bonjour. C'est moi qui vous ai téléphoné, je suis monsieur Hyman. Ah, le monsieur de la police. Je vous en prie, entrez.
Merci. Mon Dieu, quelle histoire horrible, n'est-ce pas? Mon fils m'a raconté ce qui était arrivé à ce pauvre docteur Jonas. Laisse-nous, maman. Hélène m'a déjà tout raconté. Je vous en prie. Ayman, je suis ravi de vous rencontrer. C'est le progrès. Beaucoup de mes collègues travaillent chez eux. Vous voulez me parler d'hier soir, c'est bien ça? Hélène m'a dit qu'elle m'avait appelé, mais je n'étais pas à la maison. Alors, vous n'avez pas eu son message? Dans ce cas, je serais bien mal équipé s'il me manquait les choses les plus utiles au quotidien. J'ai un répondeur. Andy, c'est moi. J'espère que tu n'es pas encore parti me chercher. Écoute, je ne me sens pas très bien. J'ai à nouveau une migraine épouvantable et j'ai pris une tonne de médicaments, mais visiblement, ça ne change rien. Je suis désolée. Bon, je te rappelle demain matin. Ciao. Alors, ça vous va? Enfin, je veux dire, avec ce message, Hélène Jonas n'a pas besoin d'alibi. Je suis d'accord, mais nous devons tout vérifier. Avez-vous une autre cassette? J'aimerais emporter celle-ci. Vous voulez l'emporter? Et si je vous fais une copie de celle-ci, est-ce que cela vous suffira? Vous comprenez, j'ai l'habitude de garder tous mes messages et je ne voudrais pas que... Enfin... Non, non, une copie me suffira. Oui, lorsque cet appel est arrivé, vous étiez déjà en route pour aller chercher Madame Jonas? Non, j'étais parti faire une course et je suis revenu entre-temps. Et lorsqu'elle a rappelé ma mère, je venais de sortir pour aller acheter du pain. Vous voyez, c'est très précis. Non, revenons à l'après-midi d'hier, si vous voulez bien. Avant son appel, étiez-vous sorti depuis longtemps? Ah, je vois, c'est moi qui ai besoin d'un alibi. Ce serait bien. L'appel pour libérer Madame Jonas est arrivé à 19h30 au central de la caserne des pompiers. Rinman a fait une copie de la bande et il l'a portée au labo pour identification. Quelle identification? Tu crois que l'agresseur a tenté de modifier sa voix? Ça ne sert à rien, Elvira Jonas a entendu l'original. C'est peut-être un vieux client à nous qui ne veut pas qu'on le reconnaisse, on ne sait jamais, Léo. Le message de Madame Jonas était enregistré sur le répondeur de Knutten. Il a bien voulu me le copier. Eh ben, on va s'occuper de cette cassette tout de suite. Alors Knutten n'était pas chez lui. Ni à 18h47, heure du crime, ni tout le reste de l'après-midi d'ailleurs. Pourrait-il être un des hommes de cette photo? C'est ce que nous a envoyé Weirich, le chef de la sécurité de la banque. N'importe qui peut se cacher sous ces cagoules. Vous avez vérifié l'emploi du temps de mademoiselle Claudia, la fille du docteur Jonas? Je crois que nous allons avoir du travail pour vérifier tous les alibis de ces gens et en apprendre un peu plus sur les relations de cette demoiselle. Alors nous allons... Oui, Kress, j'écoute. Qui, dites-vous? Oui, oui, faites-la entrer, merci. Madame Jonas vient d'arriver. Est-ce que Knutten l'a appelé pour lui dire que je lui demandais un alibi? Je l'ignore, nous devons également interroger la seconde épouse. Mais d'abord, nous allons rendre une visite aux amis noctambules de Claudia. Ça fait longtemps que nous n'avons pas passé une bonne soirée. Oui? Bonjour, Madame Jonas. Entrez, je vous en prie. Bonjour. Je ne vais pas vous faire le petit numéro du j'étais dans le quartier, alors j'ai décidé de venir vous parler. Je vous épargnerai ça. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Et puis, je vous offrir quelque chose? Café, thé ou autre chose? Non, merci. Eh bien, alors, je vous écoute. Pourquoi êtes-vous venu? Eh bien, voilà. Je voulais savoir quand je pourrais réouvrir mon cabinet. Mes patients me posent la question. Ah oui, bien sûr. Si vous n'avez besoin que de votre cabinet, sans utiliser celui du docteur Jonas, vous pourrez sûrement ouvrir dès lundi matin. Merci. Mais je vais profiter de votre visite pour vous poser quelques questions. Oui? Quel âge avait Claudia lorsque vous avez divorcé? Je veux dire, a-t-elle eu la possibilité de choisir avec lequel de ses parents elle voulait vivre? Oui, on a divorcé l'année de son baccalauréat. Elle a décidé d'aller vivre avec son père parce que elle n'avait pas envie de se stresser. Ce que je peux très bien comprendre. Elle a toujours eu de bonnes relations avec son père. Et moi, je suis restée ouverte au dialogue. Est-ce que ses rapports avec la seconde épouse de son père étaient meilleurs avant? Oui. Elvira était une femme passable avant le mariage. Ah bon, et après? Eh bien, elle n'avait sans doute pas la même vision de la vie de famille que nous. C'était dommage. Bien. Je dois m'en aller. Pour mon cabinet, tout est réglé, alors, Monsieur Kress? Tout est réglé. Merci. Vous voulez savoir autre chose? Non, pour le moment, ça devrait aller. Si j'ai d'autres questions, je vous contacterai. Au revoir. Au revoir.
Bonne journée. Une apparition fort sympathique. Mais pourquoi j'ai dit le contraire? Je vous rejoins. Bonsoir, Claudia. Bonsoir. Vous prenez quelque chose? Oui, un jus d'orange. Et moi un cocktail de fruits. Je vous apporte tout ça. Je ne connais pas le groupe qui joue aujourd'hui. Seul le chanteur fait partie de l'ancien groupe. Il m'a demandé si Elvira allait venir. Ah bon? Et alors? Je lui ai dit qu'il n'avait qu'à lui poser la question. Seulement, vous ne lui avez pas parlé de la mort de votre père, bien sûr. Pourquoi l'aurais-je fait? À votre santé. À la vôtre. N'allez surtout pas croire que je sois venue ici avec Elvira. Je l'ai rencontrée par hasard. Elle était avec le chanteur et il la draguait. Et puis le deuxième musicien de l'autre groupe est venu. Ah, mais normalement, ils doivent jouer ici tous les soirs. Pour autant que je sache, oui. Essayez donc de savoir pourquoi ils ne sont pas là ce soir. Entendu. C'était super. Merci. Mais comment ça se fait que tes copains ne sont pas là ce soir? Beno n'a pas pu venir, il est malade. Quelque chose me dit qu'il a eu un accident de tir. N'essayez pas de vous enfuir. Quelles ordures! Police criminelle, brigade d'intervention. Envoyez-moi deux véhicules de patrouille au Far Out. Oui, la discothèque. Bon, embarquez-moi sur l'Ascar. Claudia, merci. Merci beaucoup de votre aide. Vous êtes tous les deux en état d'arrestation pour attaque à main armée, messieurs. Et où est le troisième larron? Quel troisième larron? Qu'est-ce que vous voulez? On n'a rien suffit, fait. Ça suffit, taisez-vous et avancez. Allez, montrez-leur le chemin. Tu mets l'autre dans la seconde voiture. Je te laisse, Gert. Je vais repartir avec eux. Oui? Alors, vous êtes retourné au Far Out hier soir pour fêter l'arrestation des cambrioleurs? C'est pas vraiment que j'ai que ça à faire. Et toi? Les heures supplémentaires sont très mal payées. Ah, tu trouves qu'elles sont mal payées? Donc je présume que vous êtes suffisamment en forme pour faire parler nos amis. Mais je vous en prie, ne leur déballez pas toutes les charges en même temps. Commencez par le cambriolage de la morgue. Ils savent lire, Léo, ils ne sont pas idiots. Ils savent qu'ils sont dans les bureaux de la police criminelle. Lequel de vous deux se porte volontaire pour aller interroger Beno Maivald en premier? Mon Dieu, quelle touchante unanimité. Gert, tu t'en charges. Non, Léo, tu sais que je ne supporte pas l'odeur des chambres d'hôpital. Bon, j'y vais. Bonjour, cher collègue. Ça oui, va? Oui, bonjour. Bonjour.
Qu'est-ce que tu fais ici? Tu as l'air rayonnant. Oui, on a déjà une piste. On a la voiture utilisée pour le cambriolage de la banque. Elle a été volée, vous devez vous en douter. On l'a retrouvée dans une casse. C'est très bien. Félicitations. Et nous, nous avons les trois garçons qui étaient à l'intérieur. Vous avez mes clients? Non, ce sont d'abord mes clients, soupçonnés de meurtre. S'il vous manque des informations, nous nous ferons un devoir de vous les communiquer. Ah oui, c'est généreux. Merci. Oui. Heiko Renner et Rudy Matkowski, monsieur le commissaire. Merci, vous pouvez leur retirer leurs menottes, mais vous resterez devant la porte. Entendu. Asseyez-vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des jolies photos, non? Je sais pas ce que vous attendez de nous. On n'a rien à voir là-dedans. Ah, alors où étiez-vous mercredi après-midi? J'étais chez moi, avec lui. Et bien sûr, personne d'autre ne peut en témoigner. Non. Et bien entendu, votre camarade Beno, tout comme vous, était chez lui. Ouais. Il était au lit, malade. Il a une grippe. Et la blessure par balle pour laquelle il a été soigné, il se l'est faite tout seul, en restant couché? De quoi parlez-vous? Il a été blessé? Vous êtes mis d'accord, hein? Ne rien voir, ne rien entendre. Et ne rien dire. Seulement, voyez-vous, il ne s'agit pas seulement d'un vol de banque raté. Il s'agit d'abord et avant tout d'un meurtre. Quoi? Meurtre? On n'a pas commis de meurtre, nous. Alors, vous ne savez rien au sujet de la mort du docteur Jonas? En sortant de son cabinet... Quand on a quitté son cabinet, il était toujours vivant. Vous admettez donc avoir braqué la banque et avoir emmené votre ami Beno au cabinet du docteur Jonas? Oui, c'est vrai, on le reconnaît. Nous avons cambriolé la banque pour pouvoir produire notre disque. On fait de la musique, nous, vous comprenez? Quand on était chez le docteur Jonas, tout s'est passé comme sur des roulettes. Il s'est bien occupé de Beno. Oui, et lorsque nous sommes repartis, il était toujours vivant. Quand Heiko est arrivé au cabinet, on a bâillonné le docteur Jonas et on l'a ligoté sur son siège, avec une bande de gaz. Le temps qu'on prenne la fuite. Avez-vous refermé la porte du cabinet avec la clé lorsque vous êtes sorti? C'était pas nécessaire, on l'a tiré en repartant. Mais... quand on est parti, on a porté Beno à tous les deux et on a juste tiré la porte. Alors, si vous nous racontez la vérité, pouvez-vous me dire qui a pu entrer chez le docteur Jonas pour le poignarder en plein cœur? Sa fille Claudia a vu la voiture garée devant le cabinet de son père, mais elle n'a pas pu entrer. Elle a dû appeler sa mère parce qu'elle seule avait un trousseau de clés. La première femme du docteur Jonas était au lit avec une migraine et la seconde était coincée chez elle, puisque vous l'aviez enfermée et que ce sont les pompiers qui l'ont libérée. C'est même moi qui ai appelé les pompiers pour qu'ils viennent la libérer rapidement et qu'elle puisse aller ensuite au cabinet du docteur Jonas pour le libérer aussi. Seulement, il était déjà mort. Et pour ce meurtre, nous n'avons que deux suspects. Votre ami Beno n'a pas pu le tuer, sa blessure était bien trop importante. Alors c'est cette vipère. Elle avait tout prévu depuis le premier jour. Mais de qui est-ce que vous parlez? Je suis tombé dans le panneau. Elvira Jonas. On avait une relation depuis quelques semaines. Et c'est elle qui m'avait donné son adresse personnelle. Quand le docteur Jonas, Beno et Rudy sont partis, je me suis mis d'accord avec elle. Elle était parfaitement au courant de la situation. Je lui ai dit qu'elle devait aller s'enfermer dans la salle de bain jusqu'à l'arrivée des pompiers. Ce qui veut dire qu'elle avait tout son temps pour aller jusqu'à son cabinet, assassiner son mari et ensuite rentrer chez elle. Pourquoi aurait-elle décidé d'assassiner le docteur Jonas? Un jour, elle m'a avoué que
que son mari l'avait désignée comme seule héritière. Elle a dit qu'à la mort de son mari, elle aurait beaucoup d'argent. Elle m'a aussi dit que ce jour-là, sa fille Claudia ne pourrait pas contester le testament du docteur. En somme, vous essayez de nous dire qu'Elvira Jonas aurait assassiné son mari avec préméditation. Oui. Vous ne la connaissez pas. Cela signifierait que Madame Jonas a libéré son mari de ses liens avant de repartir, pour que l'on pense que c'était vous qui l'aviez tué. C'est ce que vous essayez de nous dire. Encore une question. Pourquoi n'avez-vous coupé le fil du téléphone que dans le cabinet du docteur Jonas? C'est absurde. Vous ne saviez donc pas que sa femme avait son cabinet juste à côté du sien? L'autre porte était fermée à clé. Désolé. Werner, tu tombes bien. J'attendais justement que tu reviennes pour avoir les résultats. Le groupe sanguin sur la bande de gaz. Je ne les ai pas encore, Léo. Mais tu devrais écouter cette cassette. C'est entendu. Henri, peux-tu faire accompagner ces messieurs? Bien. Remettez-les tous les deux en cellule. Le groupe sanguin de leur ami Benno, tu peux l'obtenir à l'hôpital. À part ça, tu as découvert autre chose? Non. J'espère que le procureur voudra bien me délivrer un mandat d'arrêt. Commissaire Kress. Quelle surprise que voulez-vous? Si vous aviez utilisé l'interphone hier après-midi avant d'ouvrir la porte, votre mari serait toujours vivant, madame. Oh, vous savez, mon mari... Que vous avez assassiné froidement. Qu'est-ce que vous dites? Madame Jonas, je vous arrête pour meurtre avec préméditation sur la personne de votre mari. Mais enfin, qu'est-ce... Mais qu'est-ce que... Veuillez prendre le nécessaire et nous suivre. Mais c'est une erreur, je vous assure, commissaire. J'appelle tout de suite mon avocat. Vous permettez. Vous pouvez aller l'appeler. Mais nous ne pourrons pas attendre son arrivée. Il peut prendre rendez-vous avec le procureur pour avoir accès à votre dossier. Vous m'accusez sérieusement du meurtre de mon mari, commissaire? Oui, je suis très sérieux. Et comment aurais-je pu commettre ce meurtre? Vous avez vu vous-même qu'il était mort à mon arrivée au cabinet. Non, vous devriez dire à votre deuxième arrivée au cabinet. Et comment aurais-je pu aller au cabinet? J'étais enfermée dans ma salle de bain. Ce sont les pompiers qui m'ont libérée. Eux pourront très bien vous le confirmer. Exact. Seulement, vous vous êtes enfermée vous-même dans la salle de bain avant leur arrivée. Comme vous en étiez convenu avec Heiko Renner. Heiko. Alors, Heiko vous a parlé de tout ça? Vous pensiez qu'il allait risquer sa liberté pour un meurtre? Et vous rêvez, Madame Jonas? Je ne l'ai pas tué, mais il aurait pu le faire, lui ou l'un de ses compagnons. Alors, il vous a raconté que j'étais partie pour le cabinet juste après son départ et qu'ensuite j'étais revenue. Il était au courant que j'avais un double de la clé. Alors, je l'aurais froidement tué. Dois-je prendre ça pour un aveu, Madame Jonas? Non! Je vous demanderai de préparer quelques affaires. Je vous dis que je n'ai pas tué mon mari. Alors pourquoi? Sa mort fait de vous une femme riche, n'est-ce pas? Je n'ai pas tué mon mari. Allez préparer vos affaires. Je ne vais pas sauter par la fenêtre. Vous permettez? Quelle est la clé? Celle-ci. Bien entendu, la clé du cabinet n'y est pas. Vous l'avez fait disparaître, n'est-ce pas? Il est évident que si je m'en étais servi, je l'aurais fait disparaître. Et ne prenez pas ça pour un aveu, car ce n'est pas moi qui ai tué mon mari. Mmh.
Léo, ça fait plus d'une demi-heure que je t'attends avec mes résultats. Alors, le sang relevé sur la bande de gaz est du groupe O positif. Ça correspond au groupe sanguin du docteur Jonas. Et pas du tout à celui de Benno Maywald. Lui, il est AB négatif, exactement comme celui relevé sur les compresses. Alors, ces compresses ont sans doute été utilisées par le docteur Jonas lorsqu'il a ausculté Benno et qu'il a soigné sa blessure. Ensuite, il a été attaché à son siège avec des bandes de gaz, donc ça colle avec le témoignage de Heiko Renner. Ils lui ont mis ce sparadrap sur la bouche pour qu'il ne puisse pas appeler des secours. Nous l'avons examiné et nous avons trouvé quelques poils de barbe. On n'a pas trouvé d'empreinte sur ce coupe-papier. Dis-moi, Léo, est-ce que tu as écouté la cassette que je t'ai donnée tout à l'heure? La copie du répondeur de Knutten? Pas encore, mais je vais le faire. Tu devrais jeter un petit coup d'œil sur la déposition de Claudia Jonas. Si je me souviens bien de ce qu'elle a dit, elle était très étonnée d'avoir trouvé la porte de communication entre les deux cabinets fermée à clé. C'est un détail que nous ne devons surtout pas oublier, messieurs. Heiko Renner l'a vu aussi. Quant à Madame Jonas, elle n'a fait que le supposer puisque le fil de son téléphone n'avait pas été coupé. Seulement, lorsque Claudia est allée avec sa mère jusqu'à ce téléphone, elle est entrée dans le bureau sans difficulté puisque la porte était à nouveau ouverte. Alors, Elvira a très bien pu la rouvrir. Elle possédait toutes les clés du cabinet. Oui, Werner, tu peux y aller. Andy, c'est moi. J'espère que tu n'es pas encore parti me chercher. Je ne me sens pas très bien. J'ai à nouveau une migraine épouvantable. J'ai pris une tonne de médicaments, mais visiblement, ça ne change rien. Je suis désolée. Bon, je te rappellerai demain matin. Ciao. Message reçu ce mercredi à 18h47. Un instant, qu'est-ce que c'était? Retourne un peu en arrière et augmente le son. J'ai à nouveau une migraine épouvantable. J'ai pris une tonne de médicaments, mais visiblement, ça ne change rien. Je suis désolée. Bon, je te rappellerai demain matin. Ciao. On dirait bien la sirène d'un véhicule de secours. Sans doute les collègues ou bien un véhicule de pompiers. Ou un médecin d'urgence ou une ambulance. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Gert, tu téléphones à tous les services d'urgence de la région immédiatement. Tu as besoin de moi? Pas pour le moment, Werner. Tu dois contacter tous les hôpitaux et toutes les compagnies d'ambulance qui ont été appelées ce mercredi après-midi à 18h30. Et je veux que tu leur demandes l'itinéraire précis qu'elles ont parcouru à cette heure-ci. C'est occupé, Léo. Je vais faire un autre numéro. Non, laisse, je m'en occupe. Toi, tu vas appeler la centrale des patrouilles d'intervention. Et toi, Henri, tu vas te charger des casernes de pompiers. Bon, je vais le faire de mon bureau avant que ce soit la cacophonie ici. Oui, ici, Kress. Ah, bonjour, Léo. Que se passe-t-il? J'ai besoin d'un renseignement assez urgent. J'aimerais savoir si un ou plusieurs de vos véhicules sont sortis mercredi à 18h30. Je veux seulement les véhicules qui ont roulé en ville avec le deux tons. Un moment, je vais vérifier. Il te le faut tout de suite ou un peu plus tard? Tout de suite, j'ai pas de temps à perdre. Il faut peut-être que je vienne le chercher aussi. Non, je vais le faire. Est-ce que je peux connaître le secteur qui t'intéresse? Où? Arnsberger et Martinstrasse? Un moment, je vais regarder. C'est la panique à la caserne. Ils n'ont pas le temps de me répondre ni d'effectuer des recherches. Je préfère aller voir sur place. Centrale à Florian Munich 10-1. Roulez en direction du 30 Gisela-Strasse. Dépêchez-vous, la police vous attend sur place. Fuite de gaz dans un appartement. Et si jamais tu n'as pas le temps de me rechercher les interventions de mercredi après-midi, laisse tomber. Je vais m'arranger pour les trouver moi-même. On peut dire qu'ils prennent leur temps. Oui. Oui, Henri. Tu en es sûr? Il n'y a pas de doute. Intervention à 18h47 sur Arnsbergerstrasse. Ah oui, c'est bien joué. Attendez, je vais aller rendre visite à Hélène Jonas avec Gert dans son appartement de Martinstrasse. Terminé. Entre 18 et 20 heures, vous n'avez rien? Très bien, je vous remercie. Tu peux arrêter, Gert. J'ai pas obtenu grand-chose. Tu veux envoyer une patrouille? Non, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Mais je vais emporter le petit magnéto. Hier, il me semble que tu as été fasciné par cette dame. Et alors, tu vas me le reprocher?
Non. Bon, et à présent, nous allons l'informer du soudain changement de situation. Est-ce que tu préfères y aller seul? Non, pourquoi? Je peux vous offrir quelque chose? Un rafraîchissement, peut-être? Enfin, si vous en avez le droit pendant le service. Merci. Madame Jonas, je suis au regret de vous informer que je vous arrête pour le meurtre de votre ex-mari, le docteur Günther Jonas. Quoi? Je croyais que vous aviez arrêté la véritable coupable de ce meurtre. Elvira? C'était malheureusement une erreur de notre part. Voyez-vous, en effet, Elvira Jonas a tout fait pour attirer sur elle les soupçons qui nous ont amenés à l'arrêter. Il va vous falloir un bon moment pour m'expliquer comment j'ai pu tuer mon ex-mari. Je ne vois pas comment j'ai pu faire ça. Je vous en prie. Comme vous le savez, c'est ma fille qui m'a sortie du lit. Et lorsque nous sommes arrivés ensemble au cabinet, il était déjà mort. Exact. Mais le fait que votre fille décide d'aller voir son père justement ce jour-là, et vous n'y aviez pas pensé, n'est-ce pas, Madame Jonas? Vous aviez espéré qu'Elvira arriverait la première et découvrirait le corps, car apparemment, vous aviez tout planifié dans les moindres détails. Alors expliquez-moi comment je m'y suis prise. Volontiers. Quoi qu'il en soit, vous n'aviez aucun rendez-vous ce mercredi après-midi, mais vous vouliez utiliser votre temps à faire deux ou trois petites choses, ranger un peu vos papiers, faire vos comptes, mettre à jour le courrier. Mais en tout cas, vous étiez au cabinet ce mercredi après-midi. Vous alliez peut-être partir? Mais lorsque vous avez atteint la cage de l'escalier, vous avez vu votre ex-mari arriver avec deux hommes dont l'un tenait une arme braquée sur lui. N'importe qui à votre place aurait réagi de la même façon que vous. La situation était dangereuse et vous en aviez conscience. Aidez-moi, s'il vous plaît. Posez ce pistolet et aidez-moi à l'installer. Je n'y arriverai jamais tout seul. Non, débrouille-toi. La première chose qui vous est venue à l'esprit a été de téléphoner à la police, peut-être. C'est ce que vous avez dû penser. Comment voulez-vous que je le soigne? Avec une cagoule sur la tête. Alors, on n'a toujours pas compris, docteur. Si tu vois le visage de l'un d'entre nous, tu es mort. Il y a un autre téléphone ici? Oui, à côté. La clé? Je ne l'ai pas. Tu vas me donner cette clé? Je vous dis que je ne l'ai pas. Vous préférez qu'on se batte ou que je soigne votre ami? D'accord, continuez. Non, tu ne vas pas lui faire des piqûres. Comment on va sortir d'ici si tu l'endors avec ce produit? Il faut bien que je le fasse taire, si vous ne voulez pas qu'il alerte tout l'immeuble. Si on serait coincé, ça se passera mal. Pour toi et pour ta femme. Arrangez-vous pour qu'il ne crie pas. Vous avez suivi toute l'action cachée derrière votre porte. Et tout à coup, vous est venue l'idée que la police pourrait croire sans problème que les meurtriers n'étaient autres que les voleurs qui avaient séquestré M. Jonas. Je suis désolée, M. Kress, mais vous avez fait une erreur. Laquelle? Je n'étais pas à mon cabinet. Eh bien, nous allons supposer que vous y étiez. Je n'y étais pas. Je retiens tout de même l'hypothèse. Alors faisons comme si vous étiez dans votre cabinet. Vous avez entendu l'un des agresseurs appeler son ami sur un téléphone portable afin de lui dire que l'intervention était terminée. Vous accepterez bien un petit cognac, Monsieur Kress. J'ai l'impression que votre histoire risque d'être encore très longue. Lorsque le troisième homme est arrivé, vous l'avez entendu dire qu'il avait enfermé Elvira et qu'il appellerait les pompiers dans une heure pour que ceux-ci viennent enfin la libérer. Elvira devait alors retourner au cabinet afin de libérer son mari et tout était fini. Et c'est là que vous est venue l'idée diabolique d'assassiner votre ex-mari et de faire en sorte que la police soupçonne Elvira. Si elle l'avait tué, elle aurait fini derrière les barreaux. Et elle aurait perdu tous ses droits sur sa part d'héritage. On pourra peut-être tenir compte du fait que vous avez agi ainsi dans le seul intérêt de votre fille Claudia.
Les bandes de gaz, les compresses et tout le reste, vous les avez fait disparaître comme l'aurait fait n'importe quel autre médecin. Elvira serait bientôt libérée par les pompiers, elle arriverait immédiatement au cabinet, et elle serait prise au piège. Seulement, il y a eu un petit accroc, votre fille est arrivée bien avant Elvira. Et vous avez été obligé de vous rendre au cabinet avant l'arrivée d'Elvira. Et ensuite, second petit accroc. Dans la panique, vous avez oublié de déverrouiller l'autre porte. J'avoue avoir été très étonné lorsque Claudia a précisé ce détail. Elle était surprise d'avoir trouvé la porte fermée. Je crois savoir que vous avez découvert qu'Elvira n'était pas vraiment enfermée chez elle. Elle aurait très bien pu quitter la maison discrètement pour venir tuer Gunther. C'est exact, et vous avez réussi à diriger nos soupçons dans ce sens. Alors je vais vous demander de me prouver que votre histoire est vraie. Je peux le faire. Le docteur Jonas a été assassiné aux environs de 18h30, d'après le médecin légiste. Oui, et j'étais chez moi. Donc vous avez téléphoné à M. Knutten pour annuler votre rendez-vous en prétextant une grosse migraine. Il me semble qu'il vous l'a confirmé tout de suite. Oui, c'est vrai, il n'a pas hésité. Andy, c'est moi. J'espère que tu n'es pas encore parti me chercher. Écoute, je ne me sens pas très bien. J'ai à nouveau une migraine épouvantable et j'ai pris une tonne de médicaments, mais visiblement ça ne change rien. Je suis désolée. Bon, je te rappellerai demain matin. Ciao. Message laissé ce mercredi à 18h47. Un véhicule de pompiers. Seulement à 7h très précise, 18h47, ce véhicule est passé pendant que vous téléphoniez, non pas devant votre appartement, mais plutôt devant votre cabinet médical. Vous n'auriez jamais eu le temps de rentrer chez vous avant l'arrivée de M. Knutten, n'est-ce pas, Madame Jonas? Vous ne comprenez rien à tout ça. Cette femme m'avait tout pris. Je l'ai haïe.